signal. Me dépêcher. Mais qu'est-ce qu'elle veut? J'arrive. Est-ce que tu peux me le prêter? Quoi? Tu m'as fait monter pour ça? Ben quoi? Mais on a dit que je faisais deux fois ça pour t'appeler. Bon, on va se mettre d'accord. Si tu veux m'emprunter quelque chose, tu le fais quatre fois. Et si quelqu'un m'appelle, tu le fais six fois. Tu ne vas pas te tromper? Oui, c'est un peu compliqué. Attends, j'ai une idée. Viens. Interrogeons l'ordinateur. Andy pourrait nous raconter comment les gens pouvaient s'envoyer des messages dans le temps. Ah oui, je me souviens. Morse avait inventé un système. Voilà le système mis au point par Morse. Des points, des traits? Mais comment cela fonctionne-t-il? Salut, Ordi. Salut, les enfants, vous allez bien? Alors, vous voulez tout savoir sur le système de Samuel Morse? Et comment il a réussi à le mettre au point au siècle dernier? Allons-y, hop là! Nous voici à New York en 1825. Nous sommes dans l'atelier de Samuel Morse. Oh, j'aime bien ce que vous faites. Monsieur Morse avait deux passions. La peinture et les phénomènes électriques qui l'intéressaient depuis l'enfance. Une lettre urgente pour Monsieur Morse. Voilà. Je dois d'abord terminer ce tableau. Il va me rapporter 30 dollars. Je peux la lire si vous voulez. Oh, quelque chose de terrible est arrivé. Lisez vite. Hein? Votre femme est au plus mal. Venez vite. Oh mon Dieu. Si cette lettre n'avait pas mis plus d'une semaine à parvenir à New York, Morse aurait peut-être pu sauver sa femme. Mais à cette époque, le courrier était très lent et il n'y avait pas de moyen de communication plus rapide. En 1831, Morse fit un voyage en France pour y étudier l'art. Mais il fit bien d'autres découvertes. Tiens, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Ordi, qu'est-ce que c'est? Ce sont des signaux. Des signaux? Il y en a un autre là-bas? Oui, c'est un système de communication par signaux inventé par le français Claude Chappé. Ça s'appelle le sémaphore. Mais il sert à quoi, ce sémaphore? Ça sert à transmettre les messages d'un endroit à un autre. En actionnant ces cordes, on change la position des pales et on forme à chaque fois un autre signal. Oh, c'est ingénieux. Chaque position du sémaphore correspond à un signal. M, O, R, S, E. Morse! L'état-major de l'armée française utilise le sémaphore pour communiquer avec les champs de bataille. Belle invention, mais... Mais je ne vais plus rien voir avec ce brouillard. Voilà qu'il pleut maintenant. Oh. Pas si pratique ce sémaphore. Dès qu'il y a du brouillard ou de la pluie, on ne peut plus s'en servir. Et la nuit non plus. Oui, en plus, il doit y avoir des risques d'erreur avec la multiplication et la distance qui les sépare. Oui, c'est sûr. Il fallait être très attentif et avoir une très bonne vue pour bien comprendre les signaux. Communiquer des messages est quelque chose d'important. Je dois y songer. Après un long séjour en France, Morse retourna chez lui aux États-Unis. Coïncidence.
sur le même bateau se trouve l'éminent et célèbre professeur Charles Jackson. J'ai un électroaimant relié par un fil à une pile électrique. Si je fais passer le courant, le clou est attiré. Si je coupe le courant, le clou retombe. C'est incroyable. C'est un véritable miracle. C'est un électroaimant que j'ai trouvé à Paris. C'est tout à fait nouveau. Professeur Jackson, puis-je vous poser une question? Mais oui, bien sûr. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je vous écoute. Oui. Est-ce que l'intensité du courant électrique ne s'affaiblirait pas si l'on faisait cette expérience sur de plus longues distances? Non, non. L'intensité électrique restera la même. Vous en êtes absolument sûr? Donc, il devrait pouvoir être possible d'envoyer un signal à distance grâce à l'électroaimant. Fantastique! Mais qu'est-ce que vous faites, Monsieur Morse? Tu vois bien, Ordi, je tends une corde. Ouh! Regardez, imaginons qu'ici c'est Paris et qu'à l'autre bout c'est New York. Oui, alors? Eh bien, on fait passer le courant électrique à travers un câble. On coupe le courant, puis on le remet. Couper le courant et puis le remettre? Oui, comme l'expérience du professeur Jackson. Oui, je comprends. On pourrait envoyer une série d'impulsions qui correspondent à un message. Ouais, on pourrait envoyer plein de messages. Ce serait plus rapide que la poste. À New York et il n'arrête pas de travailler. Non, pas ça. Plus de fil électrique. C'est tout ce qui me reste. Comment vais-je faire pour terminer le mois? Ça fait 10 jours que je n'ai presque rien mangé. Ah là là. À cette époque, Morse n'avait pas beaucoup d'argent et il donnait des cours de dessin pour vivre. Monsieur Morse, ça m'ennuie de vous demander ça. Pourriez-vous attendre la semaine prochaine pour être payé? Quoi? Je pense que mes parents vont m'envoyer de l'argent la semaine prochaine. Mais nous ne sommes que mardi. Oui, je sais. C'est encore loin. Bon, tant pis, je comprends. Morse avait vraiment besoin d'argent. Il fit tous les métiers. Il eut même un studio de photographie. Mais rien ne marcha vraiment. Enfin, il fit ce qu'il put pour subsister. Chercher du travail. Me voilà encore parti. Néanmoins, il reprit ses travaux, car il voulait à tout prix inventer un moyen de communication rapide en souvenir de sa femme prématurément enlevée à son affection. Et je vais en profiter pour vous expliquer comment on transmettait des messages dans l'ancien temps. Les hommes ont toujours cherché à transmettre des informations à distance le plus vite possible. Voici une représentation de la guerre de Troie. On rapporte que les Grecs utilisèrent des torches pour annoncer à la reine qu'ils avaient gagné. Voici des signaux de fumée. Chaque couleur avait sa signification. Est-ce que vous reconnaissez ces drapeaux? Ils servent dans la marine pour communiquer des messages d'un bateau à l'autre. Bonjour, je suis Ordi. Salut! Tous les signaux, comme correspondent à un alphabet que tous les marins connaissent. Mais revenons à Morse.
qui s'est remis au travail. Que faites-vous, monsieur Mort? Enlevons cette vieille croûte, comme ça je récupère le cadre. Il ne me reste plus qu'à le fixer. Mais qu'a-t-il donc l'intention de faire avec cet encadrement? Comme Morse n'avait pas les moyens de s'offrir une batterie, eh bien, il en fabriqua une. Il plongea un morceau de zinc et un morceau de cuivre dans de l'acide sulfurique pour produire l'électricité qui alimente son électro-aimant. Maintenant, je vais tester le système. Le courant. Je me demande ce qui ne va pas. C'est curieux. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Et si vous demandiez conseil au célèbre professeur d'électricité Freeman Dana? Oui, tu as raison. Il saura peut-être m'expliquer. Je vois. Qu'est-ce qui ne va pas, professeur? Les fils sont annulés. Votre système n'est pas isolé, ce qui provoque des courts-circuits. Mais alors, que me conseillez-vous, professeur? Eh bien, je vous conseille d'étudier sérieusement l'électricité et la physique, ainsi que l'électromagnétisme, l'histoire des transmissions et de tous ceux qui ont essayé avant vous. D'autres inventeurs avaient déjà eu la même idée que Morse, c'est-à-dire se servir de l'électricité pour transmettre des messages. Parmi eux, un certain Le Sage. En 1774, il avait conçu un système fondé sur l'emploi de l'électricité statique. Cette machine permettait d'accumuler des charges électriques dans un flacon appelé bouteille de LED. Et à la même époque que Morse, les Anglais Whetstone et Coke développaient eux aussi leur télégraphe. Bon, ça suffit! Arrête de me démoraliser! Hé, j'y peux rien! Lâchez-moi! C'est pas de ma faute si vous n'êtes pas le seul! Excuse-moi, Ordi, je ne savais pas que d'autres travaillaient sur le même système. Je suis sûr que mon idée est la meilleure et j'ai bien l'intention de déposer mon brevet. Les câbles étaient très longs et pour que le signal ne s'affaiblisse pas, il fallut installer des relais. Et à votre avis, Morse va-t-il mettre au point son télégraphe? Devinez! Eh bien oui, il y est parvenu. Regardez, voici son système de transmission. Il peut faire passer un message le long d'un câble de 16 km. Nous voici dans l'une des salles du Congrès de Washington en 1837. Le président du comité et plusieurs membres du Congrès. Monsieur, nous sommes prêts, allez-y. Bien, je vous explique. Au départ, je pensais appliquer à chaque mot et à chaque phrase simple un nombre déterminé d'impulsions. Mon principe actuel est beaucoup plus simple. À chaque lettre correspond une suite de traits et de points. Par exemple, à la lettre A correspond un point et un trait. À la lettre B, un trait et trois points, et ainsi de suite. Bon, maintenant je vais vous montrer comment transmettre un message. Bon courage! Plus tard, sa situation n'avait pas changé. Le Congrès n'a toujours pas pris de décision concernant votre subvention? Eh non, on est loin de la construction d'une ligne. Vous devez être épuisé. Eh oui, parce qu'en plus des lenteurs du Congrès, la justice refuse toujours de m'attribuer la paternité du brevet.
Je crois que je vais rentrer chez moi. C'est tout l'argent qui me reste. Mais qu'est-ce que je vais faire après? Mais ne vous laissez pas abattre. Ça va se débloquer. Espérons que tu aies raison, Ordi. Monsieur Morse, Monsieur Morse! Écoutez, c'est incroyable. Le Congrès vient de voter des fonds pour la construction d'une ligne. Hein? Oui, je viens d'avoir un appel de mon père. C'est vrai? Vous en êtes bien certaine? Oui, le projet vient de passer avec 8 voix de majorité. Oui! Non, je ne rêve pas. Oh, ça y est, enfin, j'ai réussi! La première ligne télégraphique fut construite sur une distance de 64 km entre Baltimore et Washington. Elle fut inaugurée au mois de mai 1844 devant les membres du Congrès. Mesdames et messieurs, nous devons avant tout rendre hommage à Monsieur Morse. Tiens, va donner ce papier à Monsieur Morse. Messieurs, je vais vous donner lecture du message que nous recevons à l'instant de Washington. Que Dieu a-t-il façonné? Que Dieu a-t-il façonné? Oui, exactement la même. Je vous félicite, moi aussi. Que Dieu a-t-il façonné? Le président Kennedy a envoyé le même message lors du lancement du satellite 5Hommes qui a transmis les premières communications intercontinentales. Et nous voici au siège de la Western Union, qui a progressivement installé le télégraphe sur le territoire américain. Le câble électrique envahit les États-Unis de Washington à Milwaukee ou Portland. Et pourtant, le télégraphe n'eut pas que des supporters. Les fermiers prétendaient que l'électricité attirait le mauvais temps et ils coupaient les câbles. Le réseau télégraphique s'étendit de plus en plus. Le premier câble sous-marin fut posé en 1852 entre l'Angleterre et la France. Et un autre fut installé sous l'Atlantique en 1866 et relia l'Europe aux Amériques. Vous vous rendez compte, grâce à Samuel Morse, on a pu envoyer des messages très vite et très loin. Avant lui, les systèmes de transmission étaient beaucoup plus rudimentaires. La grande innovation, c'est d'avoir su utiliser la paix électricité. Savez-vous qu'aujourd'hui, on a trouvé un moyen plus formidable de transmettre les messages? On utilise pour cela la lumière qui court dans les fibres optiques. Les fibres optiques sont de longs cheveux de verre très minces dans lesquels les messages sont transformés en signaux lumineux. Elles permettent d'envoyer en même temps des quantités d'informations. Chouette, un extra.
m'intéresse. Je vais demander à l'ordinateur qu'il traduise. Salut à toi, petit homme. Est-ce que tu me reçois bien? Répondez. Oui, je t'entends très bien. Oui, je t'entends bien. Je te reçois 5 sur 5.